Nouvelle vidéo, vidéo du jour. Alors aujourd'hui, je me sens, ça, c'est pas fou, mais en même temps, c'est pas non plus, voilà, dans un état un peu transitoire entre le bien et le pas spécialement bien. Quelques tensions un peu dans le dos, ouais, aussi. Qui sont liés spécifiquement, tu vois. Je parlais dans une autre vidéo que je vais probablement pas diffuser. Tu vois, Christina Nunez, l'artiste, et amie avec laquelle on interagit pas mal sous forme de vidéo en ce moment, m'a dit comme ça. Que ça y est, elle a arrêté de faire des vidéos avec moi. C'est fini. Ça y est. Parce que je lui ai envoyé un petit message pour lui dire fuck la méthode qu'elle a développée. Tout ça, et que je veux avoir une forme d'indépendance, tu vois, et de pas être contraint par un outil et tout ça. Et donc voilà, considérer que c'était quelque chose d'arrogant, tu vois, de vouloir dire fuck à quelque chose alors que tu le connais pas vraiment. Ah oui, elle a pas tort hein, là-dessus. Je vais bien accepter le fait que je sois arrogant, et je le suis, et j'espère qu'elle l'est à un endroit aussi, tu vois, parce que dans l'art, il y a un moment donné où. Tu vois, parce que dans ce monde tellement complexe, on peut pas tout connaître, tu vois. Et puis c'est tellement difficile tu vois, aussi de s'abstenir un peu entre guillemets, donner son ressenti, partager ses émotions. Parce que tu vois, moi je partage mes émotions, mais je sais pas trop comment fonctionnent mes émotions à l'intérieur d'un point de vue biologique ou cérébral, tu vois. Bon, après c'est différent, évidemment, pas comparé. Mais voilà, ok. Moi j'aime pas trop le cadre, j'aime pas trop les cadres, tu vois. Les façons de penser, tu vois, les paradigmes qui te disent ok, voilà. C'est pas quelque chose qui est imposé. Tu choisis ton cadre. Tu vois. On est en Europe. Un cadre choisi, quoi. Mais un cadre reste un cadre. Il y a des limites. Donc moi, j'ai toujours intéressé hein, d'apprendre la méthode, tu vois. Autour de l'autoportrait, la méthode Spex. Plus d'infos dans la description. Et évidemment, hein, et puis je ne fais un bout de chemin hein, d'ailleurs avec Spex, d'ailleurs sans avoir fait la formation. Et ce qui m'embête un peu, c'est que tu vois, ce que je craignais n'a pas encore eu lieu, mais là, du coup, ça me questionne, tu vois. Ce que j'aime pas, c'est les gourous, tu vois. Et j'ai peur que Christina devienne un gourou. Ou, tu vois, une personne, peut-être. Tu vois, presque christique, tu vois. Ah, c'est la mère de la méthode Spex. Wow, on l'admire, tu vois. On n'ose pas. Tu vois, c'est la patronne, la chef, tu vois, la grande créature. Et à partir du moment où tu deviens, tu vois, grand et adulé, j'aime pas. Non, j'aime pas. Peut-être un jour ça m'arrivera. Hein. Mais c'est un sentiment que je déteste en moi. Que j'ai déjà vécu à la marge, évidemment. Quand je sortais de pièces de théâtre, tu vois. Et que j'avais été plutôt bon. Enfin, en tout cas, les gens avaient vu quelque chose de qualité en moi, tu vois.
puis après le spectacle, du coup, il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais c'est super, machin. Ah, j'ai beaucoup aimé, machin. » Donc, il y a une forme, tu vois, pas d'adulation, mais hyper temporaire, tu vois. Surtout avec des gens qui ne te connaissent pas vraiment, en fait. Et ça fait très, très plaisir. Et donc, tu ressens une sorte de jubilation à l'intérieur. T'as l'impression de maîtriser tout le monde, quoi. Et c'est moi, un sentiment que j'aime pas du tout, du tout, du tout. Et pour ça, d'ailleurs, souvent, quand je finis un spectacle, je tarde un peu en coulisses pour pas rejoindre tout de suite, tu vois, parce que... Non pas que je sais qu'on va me faire des critiques positives, tu vois, mais un peu, parce que les gens sont venus là pour voir un spectacle, tu vois, et bah, il y en aura toujours, même si c'était un spectacle bof-bof, qui viendront dire, ah, c'était cool, ah ouais, content, tout ça. Parce qu'ils te voient, tu vois. Ils vont pas dire, ah tiens, ce soir, bon, c'était, tu vois, ou juste les amis intimes, tu vois, ils vont pouvoir te dire, ouais, bon, faut que, tu vois, peut-être pas même tout de suite, tu vois, ils vont attendre un petit peu pour te le dire, pour, tu vois. Enfin, tu vois, mes frères et sœurs, par exemple, mes parents peut-être un peu moins, mais ne se gêneront pas pour dire, oh, bof, bof, oh là, c'est quand même un peu fragile, tu vois. Enfin, ma grande sœur, surtout. Frère, un petit peu. Bref, qu'importe, je me perds. Donc ouais. Bon, moi je suis un peu triste, tu vois, d'arrêter la conversation un peu vidéo qu'on faisait avec Christina, parce que moi ça me faisait du bien, j'ai l'impression que ça lui faisait du bien aussi. J'ai l'impression qu'elle croit, et peut-être a raison, hein, j'en sais rien, que ça me donne trop de puissance, trop de pouvoir, tu vois. Et du coup, elle dit, oh là là, il se monte en truc, hop, j'arrête parce que j'ai pas envie de qu'il devienne, tu vois, un peu mégalo ou je sais pas quoi. Bah peut-être, hein, comme on dit, les autres qui nous connaissent mieux que nous-mêmes. Donc, ok, si elle pense ça, si elle sent ça, bon, ok, très bien. J'accepte que je l'assume. Mais en tout cas, moi je continuerai à dire fuck le monde, fuck la méthode, tu vois. Bah ouais, bah ouais. Parce que c'est lié au fait, tu vois, aussi à une amie qui fait un peu d'anorexie. Et j'ai envie d'appliquer, de faire des séances d'autoportrait avec elle. Et bah, dans un sens, c'est appliquer la méthode Spex, quoi. J'ai pas moi fait la formation Spex. Ce que j'aime pas aussi, j'y ai pensé tout à l'heure, hein, cette nuit, c'est que tu vois, ok, pour faire la méthode, bah il faut que tu racques, faut que tu payes. Tu vois. Et ça, j'aime pas du tout. Allez, boum. Tu vois. Tu passes ta formation avec tes machins et que tu vois, cette relation à l'argent là, un peu rien à foutre, tu vois. C'est ça aussi qui me. Ok. Ok, Christina. Fais ton business. C'est bien. De toute façon, il faut que tu vives. Il faut que tu gagnes de l'argent. Tout ça. Très bien. Très bien. Mais tu vois, en tout cas, j'aime pas cette obligation, tu vois, de. Ok, tu veux appliquer la méthode. Il faut que tu fasses la formation. Après, tu vois, moi, c'est ce que je lui ai dit. Et comme ça, pour ça aussi que c'est sorti le fuck la méthode. Hein, c'est que je lui ai dit, bah, ok, faire des exercices d'autoportrait. Tout ça, mais je veux pas l'appeler Spex. Ça va ressembler. Il y aura probablement plein de trucs en moins parce que je ne maîtrise pas. Parce que je n'ai pas fait la formation. Parce que je n'ai pas fait la formation. Non mais vraiment. On en est là encore. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas probablement pas exactement ça qu'elle a voulu exprimer, tu vois, dans son message. En tout cas, moi, je l'ai senti, moi, je l'ai ressenti comme ça. Peut-être pas bien compris ce qu'elle voulait dire, mais voilà, elle dit, fais attention, ça peut être dangereux, tout ça, blablabla. Oh, mais si c'est dangereux, ça devient thérapeutique, tu vois. Ça devient un outil médical. Alors que non, là en fait, c'est de l'art, tu vois. Moi, c'est plus une recherche artistique que j'ai envie de faire avec elle, tu vois. Un peu comme ce que je ferais pour un spectacle de théâtre. Ok, là, t'es dans le mal. Vas-y, va au plateau, va jouer sur scène, théâtre, là.
et utilise cette émotion-là pour créer. L'objectif, c'est pas de la soigner. L'objectif, c'est d'utiliser ce matériau pour créer quelque chose. Voilà, tu vois. Et évidemment, dans le fond de moi, j'ai envie qu'elle aille mieux, mon amie anorexique, là, évidemment. Évidemment. Et c'est d'ailleurs pour ça que je lui propose ça tout de suite, l'exercice de photo, d'autoportrait. Parce que là, il faut qu'elle se reconstruise un petit peu, quoi. Bon, et puis moi aussi, il faut que je gère comment je vois, comment je fais, comment je m'organise, tout ça. Et je lui ai dit même, ça viendra dans un second temps. On fera des photos. Ensemble, tu vois. Elle m'a dit ok. Et en tout cas, moi, je veux pas être coincé dans une méthode, tu vois. Ok. Ouais. Je vais faire des photos, des autoportraits. Ça va être inspiré grandement de Spex. Et sans Spex, sans Christina, je n'aurais probablement jamais pensé, tu vois, faire des ateliers comme ça, tout ça, tout ça. Enfin, même pas des ateliers, là, d'ailleurs. Il n'y a rien de rémunération. Tu vois, peut-être qu'elle pourrait, tu vois, si des gens font leur business et qu'ils appliquent la méthode, tu vois, quasiment à la lettre, peut-être qu'effectivement, d'un point de vue légal, elle pourrait demander, je sais pas, des droits ou des trucs comme ça, tu vois. Mais là, c'est moi et une amie, ça gratuitement. Moi, c'est plutôt une exploration, tu vois. Une exploration de mon côté, de l'autoportrait et de la méthode pour mon entourage qui souffre. Et c'est pour ça. C'est mon entourage. Alors je fuck la méthode. Fuck. Ta méthode. Ok, non, mais elle est très bien. Je veux dire, elle est très bien. C'est pas le problème. Le problème, je pense, c'est d'ailleurs qu'elle s'appelle méthode. Tu vois. Nous, on nous apprend dans notre école de théâtre que, en fait, dans le milieu de l'art, il y a beaucoup de choses qui s'appellent méthode. Mais en fait, c'est une forme de biais qui certes, ce sont souvent des panels d'outils qui te permettent de, mais c'est aussi une forme de contrainte qui bride un peu l'ouverture d'esprit de l'artiste, tu vois. Après, c'est bien de savoir que tu as ces outils-là à ta disposition, mais après, c'est aussi difficile de s'en extraire, tu vois. Même inconsciemment, on n'en a pas conscience qu'on est coincé dans une méthode et qu'on n'y arrive pas véritablement à en sortir, tu vois. C'est ça aussi dans mon fuck la méthode. C'est que, ok, apprendre une méthode, tout ça, et du coup, ça va modifier mon paradigme de pensée, tu vois. Et lui avoir des difficultés à véritablement penser en dehors de ce truc-là. Et c'est pour ça aussi. Fuck la méthode. J'ai pas envie d'être coincé dans une méthode. J'ai envie d'explorer moi-même des choses en utilisant des bouts, tu vois. Là, j'ai pas fait la formation complète de facilitateur de la méthode. Mais j'en ai traversé des choses autour de l'autoportrait, tout ça, personnel, et avec mes parents, tout ça. Donc, je comprends la puissance de l'autoportrait. Et ça, j'ai envie de l'utiliser, de l'expérimenter, tu vois. Et je pense que la jeune Christina, moi, je suis persuadé que la jeune Christina, elle disait aussi fuck, fuck à tout et fuck aux méthodes, fuck aux, tu vois. Peut-être je me trompe. Hein. Ça, ce sera publié, je lui enverrai pas, mais probablement qu'elle le lira peut-être. Ça fait 14 minutes. On sait bien, la vidéo n'a pas bugué là parce que parfois ça bug et c'est chiant. Bon, je vais m'arrêter. En tout cas, voilà, c'est ce que je voulais dire sur ça et sur la méthode. Moi, en vrai, et c'est probablement ça que Christian n'a pas, peut-être pas. Enfin, en fait, je découvre qu'en fait, ben, on se connaît peut-être pas encore complètement, tu vois, avec Christina. Des choses qu'on n'a pas encore vécues ensemble, tu vois. Et en tout cas, moi, il y a quelque chose dans mon profil où je suis très. Tu vois, revendicatif, vindicatif, je sais pas si c'est le terme, mais en mode l'année dernière avec mon prof, mais putain, je lui ai rentré dedans, mais tout le temps, tout le temps. Tiens, il disait un truc, non, là, je suis pas d'accord,
pas d'accord, machin, et puis on en débattait, et puis c'était très bien. Et je pense que c'est aussi comme ça que fonctionne le milieu de l'art, quoi. Et ce serait peut-être, je sais pas, inquiétant, le terme est peut-être un peu poussé, mais peut-être inquiétant que tous les facilitateurs de la méthode ne questionnent jamais et ne rentrent jamais dans la méthode, rentrent dedans, tu vois, en mode quoi, ok, la méthode, fuck, quoi. Et je pense que, tu vois, le processus de la méthode doit passer à un moment donné par dire fuck la méthode, quoi. Pour pouvoir s'en libérer, s'en détacher et y revenir véritablement, tu vois. Avec un regard nouveau et en étant détaché d'elle, tu vois. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir être bien avec les autres, pour pouvoir. Après, c'est peut-être pas forcément nécessaire, tu vois. Hein. Bon. Des personnes qui s'en sortent très bien et que machin. En tout cas, pour moi, j'ai pas envie d'être coincé dans une méthode. Et c'est ça aussi, hein. C'est ça aussi ma question de. Est-ce que. C'est ce que je disais un peu dans le. À la fin du workshop photo que j'ai fait, où elle me posait la question, bah alors tu veux faire la formation de facilitateur? Bah, en fait, j'en sais rien. J'en sais rien. Parce que, tu vois, j'ai envie d'être un artiste, tu vois, ma propre identité, ma propre créativité, tu vois, entre guillemets, j'ai toujours pensé. Et c'est pas totalement vrai. Enfin, je veux, dans une partie, devenir Christina. Tu vois, explorer le monde et puis et puis voilà quoi, tu vois, ressentir, expérimenter, lutter. Alors je suis pas du tout dans la même situation que Christina quand elle avait le même âge que moi, tu vois. Je suis pas traversé des périodes d'addiction à la drogue, tout ça. Mais j'en ai traversé des choses. Voilà, difficile, il n'y a pas à comparer d'ailleurs. Et je veux être, tu vois, je veux être unique. Et être facilitateur, c'est faire partie d'un groupe, d'un ensemble de gens, tu vois, comme des sortes de robots, tu vois. On utilise la méthode de Spex et c'est la méthode de Christina. On a un protocole de réalisation. J'installe ma caméra et je fais ça avant et je fais ça après. J'analyse le côté droit et le haut de la photo. Non. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que je ne que je, que je que je suis contre apprendre la méthode. Non, évidemment pas. C'est ce que je disais dans une des vidéos avant, que j'ai fait pour me défouler là. C'est que, bah, tu vois, pour appréhender le monde, fuck le monde, j'en ai. Enfin, tu vois, bah, j'ai quand même fait une maîtrise de physique fondamentale, j'ai fait un deuxième master, enfin, je fais d'énormes études. Parce que j'ai envie de comprendre, tu vois. Il n'y a pas ce truc de. Moi, tu vois, une sorte de prétentieux, tu vois, de. Moi, c'est bon, je sais, je peux donner une opinion sur tout et tout ça. Non, non. C'est bon, il y a quelque chose, tu vois, je dis fuck à quelque chose pour mieux y aller, tu vois. Pour mieux me dire, ok, je dis fuck comme ça, je peux à tout moment, tu vois. Et combien de fois j'ai dit fuck au théâtre? Combien de fois? Le théâtre, c'est de la merde. Les sièges rouges, franchement, les gens viennent s'asseoir, regarder un spectacle de merde qui les bouge pas. Ensuite, ils vont retourner chez eux. Ah ouais, mais complètement. Enfin, l'année dernière, c'était à son maximum, quoi. À critiquer, mais à toutes les strates du théâtre. Et je continue, tu vois. Parce qu'il y a plein de choses qui sont pas bien dans le théâtre et dans le cadre. Encore une fois, c'est le cadre qui me fait chier, tu vois. Tu vois, inventer quelque chose de nouveau. Et donc, voilà, si Christina elle est pas prête à entendre que je dise fuck à sa méthode, bah tant pis, c'est triste parce que peut-être que je ferai pas la formation de facilitateur. Bon, et puis c'est comme ça, tu vois. Voilà, bon. J'en sais rien, en tout cas, là, à court terme, ce qui me peine le plus, c'est qu'on arrête de discuter, tu vois. Alors évidemment, il fallait qu'à un moment donné, on retrouve, tu vois, une forme de régularité parce que c'est quand même très prenant, tu vois.
pas tous les jours, mais quand même, tu vois, elle est très prise. Bon, j'ai des choses aussi. Bon, enfin, ça va, je ne suis pas non plus très très pris, mais bon, voilà. En tout cas, moi, je questionnais assez régulièrement le. Bon, quand est-ce qu'on. Jusqu'où on va aller, tu vois? Combien de temps on va pouvoir durer? Donc voilà, triste, mais en même temps, bon, bah, c'est la vie, tu vois. J'en ai voulu sur le coup, je me dis, qu'est-ce qu'elle me fait là, machin? Traité d'arrogant, hein. C'est qui l'arrogant? Avec sa méthode. Ouais, je suis un artiste arrogant. Peut-être. Je mettrai dans ma description, tiens. Artiste arrogant. Bah ouais, bah ouais. Et je le souhaite à tout le monde. Et c'est effectivement le prix d'une forme de trop grande assurance, tu vois. Avec l'assurance, tu prends de l'arrogance. Parce que quand tu te sens merdique, tout ça, tu es pas arrogant. Bon, ça veut pas dire que je me sens le meilleur du monde, hein. Non, non, loin de là. Loin de là. Mais c'est que je sais que j'ai de la force, tu vois, de la pouvoir, du pouvoir. J'existe et j'ai des opinions et tout ça qui doivent être fondées sur des ressentis, tout ça, hein, évidemment, et des savoirs et des connaissances et tout ça. Ouais, évidemment. Voilà. D'où je viens, même en communication scientifique, et enfin, bon, tu vois. Mais en tout cas, ça qui est particulier maintenant quand j'étudie les domaines des arts, c'est qu'il faut être capable de renverser la table, tu vois. Et peut-être même sans même savoir ce qu'il y a dessus. Allez, fuck, paf! Bah oui, mais attends, il y avait des trucs super sur cette table, pourquoi tu viens? Bah parce qu'après, une fois que tout est au sol, tu vois, tout est dans la merde, dans la boue. Tout a été foutu par terre. Et du coup, ben on scrute, tu vois. Et du coup, il y a de la merde qui coule. Ah ouais, c'est plus intéressant que d'être assis tranquillement sur une petite chaise, tu vois, tranquille. T'as une table et tu regardes les éléments. Ah tiens, ça c'est un bout de la méthode. Ah, c'est super, tu vois. Ah, non, non, tu vires la table, tu casses tout. Et après, dans les débris, tu regardes, tu vois. Ah ouais, tu vois. Ah, je suis comme ça. Ça me fait chier d'être assis sur une chaise et de faire le studieux, tu vois. Oh oui. Alors je l'ai fait très très longtemps. Mais là, dans le milieu de l'art, maintenant, j'ai plus envie. Pas du tout envie. Parce que aussi, j'ai envie, tu vois, que les artistes soient activistes, tu vois, foutent un coup de pied dans la table, tu vois. Parce qu'on n'a pas besoin de table. On n'a pas besoin de cadre, on n'a pas besoin de chaise. Tu vois? On récupère les choses en faisant, en expérimentant. Moi, j'ai envie de ressentir, expérimenter, me foirer, réussir, sentir. Sentir des éléments de ce que Christina a mis dans sa méthode, mais par le faire. Ah, ça, c'est super. Tu vois? Puis après, j'irai voir le papier et dire, ah, tiens, c'est ça dont elle a parlé. Tu vois? Moi, j'ai envie d'expérimenter, c'est ça, j'ai aussi envie d'expérimenter le monde de façon sensible et pas dans des cahiers, dans des livres, dans des, tu vois, dans des processus. Ouais, donc voilà. Fuck la méthode, oui, la vidéo, parce que je dis fuck, peut-être qu'elle va être un peu censurée. C'est pas grave, je m'arrête là.